postoji mnoštvo mudrih izreka i citata koji tok ljudskog života upoređuju sa putovanjem vozom. One nas podsjećaju na radost neizvesnosti kada krećemo na put, birajući vagone sa najlepšim pogledom. Također pominju i važnost naših saputnika od kojih u velikoj meri zavisi da li će nam vožnja biti više ili manje prijatna. Ekipa TV Razglednice vas poziva da se ukrcate u ovaj neobični starinski vagon, čija se pruga nalazi nebu pod oblake, na impresivnoj nadmorskoj visini od 1090 metara. Turistička pruga Isone Enfore je duga 36 km. Iako postoji od 1893. godine zbog smanjenja troškova održavanja i slabe prodaje karata, Francuske državne železnice 1986. godine donose odluku o prestanku voznog saobraćaja i stavljanju ove pruge van vozne funkcije. Alors un autorail comme je disais le X 24-25 qui est de 56 de moteur Renault de 300 chevaux, 320 chevaux. Boîte à vitesse hydropneumatique. Et la ligne a toujours fonctionné ou vous l'avez Alors pour les voyageurs, les derniers trains voyageurs du Bonson Saint-Badel, c'était en 1963 et 69 exactement. Et marchandises, c'est en 73. Zahvaljujući inicijativi lokalnog stanovništva i žestokoj borbi za povratak vozova koja je trajala punih 20 godina, od 2006. godine, deo pruge od Estivareja do Sembadela postaje ponovo aktivan i ima isključivo promotivnu i turističku namenu. U ovom delu Francuske graniče se dva velike regiona, Overni i Rona-Alpi. Vijugava planinska pruga počinje u mestu Estivarej u departmanu Loare, a njena posljednja stanica je malo brdsko selo Sembadel, koje pripada departmanu Gornje Loara. Ovi živopisni vagoni saobraćaju redovnim polascima u periodu od 1. maja, a sezona vožnje turističkim vozom Isone Enfore završava se 31. oktobra. Voznu sezonu u velikoj meri određuju vremenski uslovi koji na okolnim planinskim vrhovima umeju da budu snežni, ledeni i veoma vetroviti. Vozić može da preveze između 15 i 400 putnika u zavisnosti od potrebe grupe, a najuzbudljivije su tematske vožnje koje prate kalendar crkvenih i državnih praznika u Francuskoj. Ova pruga prolazi kroz nacionalni park Livradois-Forêt. Zaštićene biljke i životinske vrste u ovom prirodnom rezervatu deo su retkih ekosistema koji naseljavaju planinski masiv Alpa. Ukrcajte se u voz Isone Enfore i krenite sa nama kroz gustu četinarsku šumu, visoke planinske vence i živopisne doline. Vožnja ovom prugom može da bude u duhu snežnih radosti, noći veštica ili planinskog biciklizma. Vozove iznajmljuju razni klubovi, velike firme i porodice za razne proslave, venčanja i obeležavanje raznih jubileja ili rođendana. Putnicima je dozvoljeno da siđu sa voza na bilo kojoj od usputnih stanica ukoliko žele da posete lokalne znamenitosti, muzeje ili prodavnice suvenira. Vagoni izgledaju isto kao što su izgledali 50. godina prošlog veka i svi se trude da zadrže autentični šarm prohujalih vremena što duže. Ipak, nije sve išlo lako i jednostavno sa obnavljanjem ove vozne linije. Projekat očuvanja i obnavljanja nekada redovne železničke pruge trajao je punih 46 godina.
Redovna linija Bonson-Sembadel počela je sa radom davne 1855. godine, kada je, zahvaljujući investicijama kompanije Grand Central, na radost stanovnika ovog dela Francuske, krenuo voz između Liona i Clermont-Ferrana. Ovaj deo železničke pruge bio je veoma rizičan tokom hladnih zimskih meseci. Često su snežni smetovi u potpunosti prekidali železnički saobraćaj, koji je u to vreme na najbrži, najkraći način spajao Švajcarsku i Francusku, odnosno gradove Ženevu i Bordeaux. Prva stanica ove pruge je u malom mestu Estivarej. Estivarej je naselje i opština u centralnoj Francuskoj u regionu Auvergne, u departmanu Allier, koja pripada prefekturi Montluçon. Nalazi se u planinskom podnožju na 348 metara nadmorske visine. Krajem prošlog veka u opštini je živelo 1033 stanovnika na površini od 12 kvadratnih kilometara. Pruga ide do Sembadela, koji pripada departmanu Gornja Loara. Ovo ljupko planinsko mestarce je udaljeno 30 kilometara od Pien-Valea, koji je prestonica Gornje Loare. Radi lakše orijentacije nalazimo se u južnom delu centralnog masiva u Francuskoj, a Pariz je recimo udaljen oko 400 km odavde. Ukoliko vas put nanese u Sembadel, osim predivne prirode i nasmejanih meštana, ovde se nalazi nekoliko srednjovekovnih crkava, od kojih je najpoznatija crkva Svetog Đorđa, koja je poznata po svom lokalnom imenu Saint-Paulien. Ljubitelji seoskog turizma tvrde da je najlepše selo u Francuskoj Lavodije. Ovo selo je na 15 km vožnje od Sembadela. Sembadel ima samo 250 stanovnika, a nalazi se na 1000 metara nadmorske visine. Oštra klima i planinski životni uslovi uticali su na to da čak više od 30% stanovništva čine ljudi koji žive sami, a više od polovine meštana su penzioneri. Ova pruga čitavom dužinom krivuda kroz regionalni park prirode Livradois-Forêt. Reč je o području šuma i farmi koje su pod posebnom zaštitom regionalne vlade Rona-Alpi od 1986. godine. Ovaj prirodni rezervat zauzima površinu od skoro 300.000 hektara zemlje kojom administrativno upravljaju departmani Loara, Pidi-Dom i Gornje Loara. Livradois-Forêt obuhvata i više od 150 malih planinskih sela u kojima se na tradicionalni način proizvode čuveni francuski sirevi i delikatesi od mesa. Informativni centar ovog parka nalazi se u mestu Saint-Gervais-sous-Mimon. Čudesna priroda u okviru ovog parka je veoma različita u zavisnosti od nadmorske visine, imajući u vidu da se rezervat proteže od ravnica oblasti Limanj do vrhova planine Poré. Tako ljubitelji prirode mogu da uživaju u veličanstvenom pogledu tokom vožnje turističkim vozom, jer se na svega 36 km smenjuju planinski vrhovi, guste šume četinara, izolovana seoca i doline ispresecane brzim rečicama punim pastrnke. Put nas vodi kroz čudesni tunel Pont-Éperac, koji istovremeno spaja i razdvaja dva regiona i tri francuska departmana, Loara, Pidi-Dom i Gornja Loara. Thank you.
Ovde se nalazi i vulkan Veli, koji čitav pejzaž čini nezaboravnim. U Francuskoj od 2011. godine postoji 45 regionalnih parkova prirode. Oni pokrivaju 13% ukupne teritorije ove zemlje sa više od 3 miliona stanovnika. Svi parkovi ovog tipa, pa i Livradois Ferré, na svakih 10 godina prolaze kroz strogu državnu reviziju koja utvrđuje ekološki, demografski i privredni potencijal određenih regija i na osnovu te procene parkovi zadržavaju ili gube svoj specijalni status. Nous étions dans le département de la Loire. Et devant, à partir du milieu du viaduc, c'est le département de la Haute-Loire. On change également de région administrative, puisque la Loire, c'est Rhône-Alpes, et le 43, c'est la Haute-Loire, c'est l'Auvergne. Autre caractéristique, de ce côté de la rive, jusqu'à un petit affluent qui se jette ici, et qui tangente la cinquième pile, cette pointe, c'est le 63. Donc on est au confluent de trois départements, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Donc quand vous voyez la carte de France, vous regardez bien où les trois lignes se rejoignent, et vous direz, eh ben, j'y étais. Hein? Donc voilà. Petite anecdote, vous l'avez peut-être remarqué, le tunnel est en virage et le viaduc également est en virage. Pourquoi? Parce qu'à la création donc, de cette voie ferrée, la partie des travaux ici, 1897, il y avait des problèmes administratifs. Si les architectes avaient fait la voie tout droite, ce qui était la solution la plus simple, ils arrivaient dans le 63. Et il y avait des complications. Pour éviter le département 63, le tunnel a été fait en virage et le viaduc également en virage. Hein? Donc vous voyez, déjà les problèmes régionaux existaient. Hein? Le tunnel et le viaduc ont été réalisés en 2 ans. 400 personnes à peu près. Une entreprise de maçonnerie de Craponne qui s'appelait l'entreprise Le Grand. Et les pierres étaient taillées dans une petite carrière qui se situe à Bouterras, pas bien loin de Vivrolles, dans le 63. 4 chevaux et 8 paires de bœufs, 400 personnes ont mis 2 ans pour construire et le tunnel et le viaduc. Ce qui est remarquable, hein, puisqu'à l'époque on n'avait pas de grue, on n'avait pas de bulldozer, pas d'engin mécanisé. Hein? Donc voilà pour l'histoire. Alors, la date correspond exactement 93-95 à la création du cinéma. Hein, donc les frères Lumière, à la même époque, ont inventé et réalisé les premières séquences, qui étaient une séquence d'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Donc vous voyez qu'historiquement, l'histoire du train et du cinéma sont très liées. Et aujourd'hui, on a une équipe de télévision qui fait encore du cinéma sur le viaduc. Donc voilà. Alors, ce viaduc, le chemin de fer du Haut-Forêt, on y est particulièrement attaché parce qu'à la fermeture du trafic SNCF en 86, la SNCF n'avait rien trouvé de plus intelligent que de dynamiter ce viaduc pour éviter des problèmes de responsabilité. Que quelqu'un monte sur le viaduc, ne chute et qu'on recherche leur responsabilité. Donc ils ont au cours d'une semaine réalisé à peu près 300 trous de mine dans les 2 premières arches et se projetaient de dynamiter. Un paysan qui habitait en bas les Chambons nous a prévenu, l'association du chemin de fer du Haut-Forêt qui venait juste d'être créée en 86, et le week-end on a bouché les trous de mine avec du ciment et du fer à béton. Et le lundi matin on était présent sur le viaduc. Alors la légende dit qu'on était enchaîné au parapet, hein? Oui, certains prétendent que c'était Greenpeace avant l'heure et que Greenpeace se serait inspiré de notre méthode pour des actions futures. Alors ça, je vous laisse la liberté d'y croire ou pas. Fait est que les artificiers de la SNCF, trouvant les trous de mine bouchés et du monde sur le viaduc, n'a pas pu dynamiter cet ouvrage.
La SNCF a dit, ben oui, effectivement, on pourrait peut-être conforter l'ouvrage et éviter des problèmes. Et finalement, le viaduc a été sauvé. Ils ont fait quelques travaux qui leur ont coûté moins cher que le dynamitage. Et si aujourd'hui on peut rouler, eh ben c'est un petit peu grâce à cette action. Parce que si ce viaduc avait été démoli, il n'y aurait pas du tout de train touristique à l'heure actuelle. Donc voilà, un petit peu, l'action. Donc voilà un petit peu pour l'anecdote, hein, et ça a permis de sauver la ligne et de rouler. Alors, le chemin de fer a été créé en 86 et on a eu l'autorisation de rouler en 2005. Donc vous voyez qu'il a fallu 20 ans, je me trompe, non, 19 ans, pour obtenir toutes les autorisations administratives, à cheval sur deux régions, à cheval sur trois départements, traversant, Wilfried Masson peut peut-être me le dire combien, plus d'une vingtaine de communes, 22 communes je crois, une commune était d'accord, l'autre ne l'était pas, et ce qui a permis le déblocage de la situation, c'est l'acquisition de la ligne, à la SNCF en 2004 par les collectivités locales, communauté de communes de Saint-Bonnet-le-Château pour la partie Loire, communauté de communes de Pays de Craponne et de la Chaise-Dieu pour l'autre partie, et c'est ce qui a vraiment débloqué le problème et qui a permis de mettre en place ce train touristique. Donc voilà. Merci. 36 mètres d'eau. Oui, oui, elle continue sur 36 km. Hein, voilà. Alors généralement, on contrôle les billets ici. Et ceux qui n'ont pas le billet ont droit à un saut à l'élastique sans élastique. Hein. Voilà. Alors là-bas, nous, on vous offre possibilité d'acquérir quelques souvenirs, de vous relaxer sur quelques tables. On peut vous proposer quelques boissons également. Hein, donc le départ où vous pouvez vous promener, avancer jusqu'au tunnel pour certains qui le souhaitent. Voilà. Vozimo se vijugavim planinskim putevima oblasti Auvergne. Svojim najvećim delom ova oblast Francuske je pod zaštitom države koja ulaže ozbiljna sredstva u očuvanje prirode, tradicije i obrazovanje. Veliki broj školaraca dolazi u ova planinska područja radi praktične nastave iz prirodnih nauka i na licu mesta se upoznaje sa klimom, zemljištem, poljoprivredom, florom i faunom. Ovdje je razvoj turizma usko vezan za ideju očuvanja prirode i promocije lokalnih običaja. Prolazimo kroz mala mesta na putu za Issonne-en-Forêt. Domaćini nam pričaju po čemu su nadaleko poznata pojedina planinska seoca. Tako je recimo mesto Thiers, čuveno po proizvodnji rezbarenog escajga, dok je Amber poznat po papiru, kanapu i pertlama. Ovdje je potpuno uobičajeno da su ljudi poljoprivrednici i zanatlije istovremeno. U zavisnosti od vremenskih uslova oni su drvoseče ili pastiri, dok se zimi bave zanatskom proizvodnjom pribora za jelo ili pak proizvodnjom papira. Ovdje se smenjuju farme sa šumama, male mlekare sa industrijskim pogonima i to je već godinama ustaljena praksa. U jednom od okolnih mesta, Thiersu, od 14. veka se prave noževi. Danas se 70% ukupne francuske proizvodnje instrumenata sa oštrim sečivom proizvodi upravo ovdje. Od prehrambenih proizvoda ovaj kraj je poznat po lokalnom plavom siru sa peršunom. Gradić Issonne-en-Forêt je mesto koje je lokalni centar. Nalazi se na skoro 1000 metara nadmorske visine i ima oko 1500 stanovnika. Ukupna teritorija koja spada u Issonne-en-Forêt je razuđena na skoro 5000 hektara i čine je sam gradić i 52 okolna sela. Tokom godine ima veliki broj sunčanih dana, a pored veštačkog jezera, pešačkih, jahaćih i biciklističkih staza, u njemu se nalaze brojne zanatske radionice, vrtić i osnovna škola.
meštani se ipak slažu da je mesto na kome se najbolje upoznaju mentalitet, običaj i životne navike ekomuzej. Ovo je Parohijska ili Vikarova bašta. Deo je muzeja Isonen Fore, čija postavka čuva eksponate koji svedoče o životu na selu. Vikarova bašta zauzima 240 kvadratnih metara i potpuno je obnovljena 2001. godine. Majstori pejzažne arhitekture su uredili ovaj prostor oslanjajući se na stare fotografije i usmena svedočenja starijih meštana Isonen Forea. Bašta se nalazi na mestu koje je nekada služilo kao kuhinski vrt opaticama koje su pripadale sestrinstvu Svetog Josifa. Posetiocima je omogućeno da šetaju i uživaju u bojama i mirisu više od 100 vrsta biljaka odabranih na osnovu izdržljivosti u vremenskim uslovima koji vladaju na nadmorskim visinama iznad 1000 metara. Postoji 8 vrtnih leja sa različitim podvrstama rasada u ovoj bašti. Neke sadnice su začinske, neke aromatične, a najbrojnije su povrtarske kulture. Velika pažnja je poklonjena izboru cveća. Pojedine vrste su sezonske, pa se mogu vidjeti samo tokom letnjih meseci, dok se ukrasno cveće koristi sveže i osušeno za ukrašavanje obližnje crkve i kapele. Vikarska bašta je bila nagrađivana prestižnim nagradama tokom poslednjih 5 godina. Francuski magazin Rustika, koji se bavi turizmom i životnom sredinom, je ovoj bašti 2005. godine dodelio priznanje za očuvanje flore i razvoj lokalnih turističkih potencijala. Zanimljivo je da je ovaj muzej otvoren tokom cele godine, osim za Božić i Novu godinu, 25. decembra i 1. januara. Ipak najbolje vreme za posetu ove cvetne postavke na otvorenom je od maja do oktobra, isključivo zbog snega i niskih temperatura. Sa posebnom pažnjom se zaposleni u muzeju u Isonen Foreu odnose prema školarcima različitih uzrasta. Zato se ovdje redovno održavaju radionice i seminari, čija je tema očuvanje prirode. Ljubitelji seoskog i planinskog načina života redovno posećuju ovaj gradić koji ima dugu tradiciju i u proizvodnji trofejnog oružja. Nous sommes maintenant à Isonen Fore, donc à l'écomusée des Monts du Forêt. Donc un écomusée, c'est un musée d'art et tradition populaire. Donc ici, il est consacré
la manière de vivre des gens d'ici dans les années 1900, voilà, sur le monde rural, dans les monts du Forêt, dans les années 1900, avec toutes les caractéristiques de la vie de cette époque-là, donc avec la foi qui était très importante. Donc le travail des champs, le travail dans les bois, le travail des femmes, les soirées aussi avec les veillées, les contes. Voilà, il est consacré à tout ça. Donc il y a également un jardin remarquable ici où nous nous trouvons, qui est un jardin de curé. Donc avec toute la symbolique qui est liée au jardin de curé. Donc le site se trouve également sur une ancienne congrégation religieuse, puisqu'on est sur le quartier Saint-Joseph, donc c'est une ancienne congrégation des Sœurs Saint-Joseph. Là également, puisque le musée du 20e où nous étions tout à l'heure, c'était également une congrégation, un ancien site de congrégation Saint-Joseph. Et puis c'est aussi un ancien site militaire, puisque c'est le site du château du Son-en-Forêt. Donc c'est pour ça qu'on trouve donc la tour fortifiée, et on trouve quelques restants de fortifications sur le musée. Hein. O burnoj istoriji i Son-en-Forêta, misterijama, legendama i kulturno-istorijskim spomenicima bit će više reči u narednoj epizodi TV Razglednice. Sjetite se priče o vozu kojom smo započeli današnje druženje, pa za svoje životne vagone birajte one saputnike koji će vaša putovanja ispuniti smehom i radošću. Thank you.